Je m'en fous. Ouais. Hein, ouais, ouais, quoi? Appelez la police. Je n'ai même pas de papier. Appelez la police. Je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai besoin de rien à personne. C'est bon là, on t'a entendu. Ouais. Maintenant tu dégages. Ouais. Allô? Il y a des connards. Allô? Allez, dégage. Tu descends d'ici. Maintenant. Je ne descends pas. Mais quand tu parles, le respect des autres, fichez-moi la paix, monsieur. Tu sais ce que c'est? Appelez la police. Tu sais ce que c'est que le respect des autres? Appelez la police. La police, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'étais en face de toi. Vous êtes en face de moi, au fond, mais vous voyez. On ne se connaît pas. C'est pas grave. Si, c'est grave. Nous, on s'assoit sur ce fauteuil. Et moi, je parle, tu me l'assois sur un fauteuil sale. C'est vos problèmes, monsieur. Bouge tes affaires là. Ça s'appelle. Bouge tes affaires là. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Oui, je vais m'asseoir. Il n'y a pas de souci. Moi non plus, il n'y a pas de souci. Okay. Ah, regarde, moi aussi, je me mets pour aider. Je m'en fous, ça ne me gêne pas. Hein? Ah, ouais, non, bien, là. Le respect. Le respect. Tu n'as aucun respect, tu ne sais pas ce que c'est que le respect. Vous avez un respect, monsieur. Tu ne sais pas ce que c'est. Il faut que vous voyez, on ne se connaît même pas. La façon où tu traites les gens, vous traitez les gens. On n'a pas de respect pour les gens qui traitent comme toi. Je signe ma chaussure, monsieur, cessez de me piétiner. C'est normal. Ne me touchez pas, madame. Je ne vous connais pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous m'avez touché. Excusez-moi. Au moins, là, vous êtes connu. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire maintenant? Je demande simplement de baisser. Ok, maintenant ça vous suffit? Ok, vous pouvez vous écarter? Ok, allez alors, mais monsieur, ne me piétinez plus! Mon tirage coûte trop cher! Ok, soyez alors poli! Soyez poli, monsieur! Je ne vous ai même pas touché! Ne me piétinez pas! Ne me piétinez pas! La prochaine fois, ça sera autre chose! Ok, on est parti! Je l'ai quand même. On vient me piétiner, je perds mon tirage cher, on me piétine parce que je suis sans papier, on doit me dire n'importe quoi. Oh mon Dieu. C'est quelle chaîne? Quitte de sa place, viens me piétiner, à ma place, on raconte n'importe quoi. Non, ça c'est un pays de quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je te raccroche. Maintenant, je t'envoie la police. Ok, je te rapproche. J'ai dérangé personne. Non, mais monsieur, vous pouvez m'écouter? Quelles sont les personnes qui vous ont dit que je me suis que je les dérange? Mais maintenant, vous pouvez venir. Oui. Apparemment, vous aviez les pieds sur le siège. Vous avez trouvé. Vous agressez les gens quand on vous demande de parler longtemps. Monsieur, vous avez trouvé mes pieds sur le siège? Non, vous avez trouvé mes pieds sur le siège. Ah oui? Vous vous sentez autant? J'ai tort. Allez-y, c'est bon, je me calme. Vous avez raison. J'ai tort parce que je suis sans papier. Allez-y, je me calme. C'est bon, il n'y a plus de fait dans la maison. Allez-y. C'est bon, je me suis calmé, monsieur. Vous avez raison. Je vous remercie, monsieur. Mais je suis plus poli que les certains. Dans ce pays, on ne peut pas me ramener dans mon pays. Sans papier, avec papier, je suis ici. Je paye les impôts. Mais bien sûr, parce que je déclare toujours zéro tous les ans. Je déclare zéro tous les ans. Ça veut dire que je paye les impôts. Ouais. Je déclare zéro tous les ans. Tu l'as?
Dieu que je déclare zéro dans ce pays. Tous les mois, je déclare, tous les ans, je déclare zéro. Ça veut dire que je paye les impôts parce que j'ai rien. Mais ça prouve que je suis dans ce pays. Si, parmi le printemps, ils sont en France. Ils viennent me traiter à ma place. Ça, c'est du n'importe quoi.